Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Theme Hospital. Avec cette mission qui s'annonce difficile, j'ai déjà eu beaucoup de morts, et pas qu'à cause des urgences d'ailleurs. Si c'était qu'à cause des urgences, ça irait encore, ça pourrait s'expliquer. Mais j'ai aussi des patients qui sont morts faute d'être traités à temps. Donc forcément, c'est problématique. Alors, un petit tour du matériel. J'aimerais éviter d'en perdre. Ok. Je crois que je pourrais emprunter pour faire le scanner. Ah, je peux emprunter jusqu'à 50 000. Je pensais pas en fait. Send patient home. Diagnostic, scanner. J'espère que je vais pouvoir faire ça là. Ouais, parfait. C'est un peu petit pour le scanner, mais il va falloir que je case. Tant pis, on va se débrouiller. Ouais, ça rentre. Un peu serré, mais c'est pas grave. De toute façon, il faudra que j'en fasse un deuxième. Je crois que X-ray et scanner, j'échapperai pas au deuxième hein, pour chaque. Alors, je vais faire des bancs. Ah, faut que je replace mes bancs d'ailleurs, j'avais oublié ce détail. J'ai déplacé tous mes bancs quand j'ai eu le bloody de aide là, l'urgence. Et j'ai oublié de les replacer après. Il y a des pièces qu'on a plus besoin quand même. Voilà. Pourquoi il n'est pas heureux lui? Ah, j'espère que c'est son traitement là. Et j'espère qu'il va aller chercher son traitement maintenant. Ah, toujours pas de chirurgien. Et celui que j'ai, il est pas. Ah, il est pas consultant. Hein. Allez, send patient home. Ce que je pourrais faire. Est-ce qu'il a fini sa formation, l'autre? Non, toujours pas. Je vais en mettre un deuxième. Je vais mettre le chirurgien. Je sais pas où il est. Il est là. S'il pouvait devenir, est-ce qu'il peut devenir consultant? Je crois que oui, en étant à l'université. Tiens, j'ai inventé une nouvelle machine. Il va falloir que je m'achète une nouvelle pièce. Je vais m'acheter la suivante, celle-là. Ouais, ça coûte cher. J'ai deux choses à faire. Hein. J'ai la Blood Machine et j'ai le Air Restorer. Je vais m'acheter quelqu'un en plus pour l'entretien. Ok. Bon, c'est pas mal fréquenté, mais. Ah, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de faire les toilettes. Ah, si, c'est là, pardon. Alors, je peux repasser en vitesse normale. Il attend pour quelle pièce? Il attend pour là, c'est bon. Non, pas de chirurgien. Maintenant, ils sont deux là. Par contre, j'ai l'impression que j'ai qu'un seul chercheur. Ah, ce qu'il faudrait que je fasse dans la recherche, c'est les. J'ai oublié de faire quelque chose. L'ordinateur, et puis il y a autre chose, mais je me rappelle plus de son nom. Il faudrait que je regarde si je les ai. Ouh là là, c'est quoi cette queue là? Sérieux? Ah, lui, ça doit être un chercheur, donc je le laisse là. Lui, il est trop crevé. Lui, il est parfait, il est quasiment en pleine forme. Lui, ça va, il peut bosser. Pourquoi elle n'est pas contente, elle? Elle attend pour où? Attends, pas pour là. Je sais pas. Ah si, c'est là, le ward. Oh putain. J'avais pas l'infirmière. J'ai peut-être fait un peu petit mon ward en fait. Normalement, je devrais pouvoir en prendre 4.
Ah si, c'est bon. Je peux prendre les quatre à la fois, donc je pense que ça va, honnêtement. Ok, c'est juste que il me faut une infirmière en plus, je pense. Mais là, elle, ça va être chaud. J'espère que je vais réussir à la soigner à temps. Ah, pourquoi il reste plus longtemps que tout le monde? C'était la première à rentrer, je crois. Ah non, peut-être la deuxième, d'accord. Ouh là là là, j'ai les deux qui vont mourir là. Après, ça dépend où elle va. Et voilà, je vais la mettre en prioritaire. Ah, trop tard. Honnêtement, si elle en est rendue au traitement, c'est peut-être bon. Si elle n'est pas au traitement. Ah putain, elle va pas. Elle va perdre sa place dans la file d'attente. Il n'y a personne pour l'instant. Ah, je crois qu'elle est morte, hein. Ainsi que sa copine aussi. Putain, elle est première dans la file d'attente, qu'est-ce qu'elle fout là? Ouais, c'est trop tard. Je la sauverai pas. Send patient home. Je serais tenté de dire que je vais la facturer une dernière fois avant qu'elle meure. Mais je ne la soignerai pas. Sauf si peut-être là elle va à l'infirmerie. Sweetie Palms, je crois que ça c'est du ressort de la psychiatrie. Celle-là non plus, je la soignerai pas. Ça c'est bon. Send Passion Home. Oh, celle-là, si elle va à la pharmacie, peut-être qu'on peut la sauver. Si elle va ailleurs. Je crois qu'on peut la sauver. À partir du moment où ils ont commencé le traitement, je pense que c'est bon. C'est ce qui s'appelle être sauvé in extremis. Ok. Et tout ça, c'est parce que j'avais pas assez d'infirmières. J'avais 8 personnes qui attendaient au ward parce que mes deux infirmières étaient absentes. Ça m'a coûté cher. Lui, c'est pareil, il faut que je surveille. En tout cas, il me faudrait un psy là, je pense. Ça, c'est un psy. Ok, il est le prochain. J'espère que c'est le traitement et pas seulement un diagnostic. Ok, un VIP. Merde. Hop, nettoie ça, toi, vite fait. Merci. Et c'est pas le traitement encore, fait chier. Et pourquoi il veut retourner tout de suite? Il vient de sortir. Je vais le passer en prioritaire, si j'y arrive. Voilà. Ok, je devrais réussir à le sauver. Il est encore loin de la mort, hein, parce que la petite tête de mort là a pas commencé à apparaître. Donc j'ai le temps, quoi. Alors, Send Patient Home. Surtout que. Ah non, j'ai cru que c'était lui que je devais renvoyer à la maison, mais. Ah si, c'est lui que j'ai renvoyé. Ah si, si. Ah, lui, je vais avoir besoin d'un Air Restorer. 4005, putain, est-ce que je peux emprunter encore? Allez, c'est parti. Je suis obligé de le mettre là, j'ai pas de place ailleurs. C'est vraiment un tout petit truc, je crois. En termes de grandeur de la pièce,
Ouais, ça va être serré, hein. Quand j'aurai casé tout ça. Sauf que j'ai oublié de mettre une fenêtre. J'espère que je pourrai mettre tout. Ok, c'est parti. J'aime pas mettre le radiateur dans ce sens-là, je préfère le mettre contre le mur. Parfait. Ça me fait un traitement de plus. Par contre, ce qu'il me faut, c'est ça. Et je voulais mettre autre chose, la machine à boisson. Spare ribs, il me semble qu'il faut un chirurgien de mémoire. Et ça, j'en ai toujours pas. Ça, c'est le prof. Ah, il est toujours pas soigné, lui. Il faudra que je surveille. Essayer de le faire passer prioritaire partout où il va. Je sais pas où il attend. Voilà, là par exemple, le faire passer prioritaire parce que sinon, on va avoir des surprises. Donc j'ai le traitement baldness, donc je vais tout de suite me servir de ma machine. Ça c'est plutôt cool. Oh là, faut que je méfie. J'espère qu'il en est rendu au traitement. Et non. Je voulais voir. Quand c'est qu'il est là, lui? Il devrait être en train d'apprendre son métier. J'étais obligé de surveiller et de le remettre. Ah, il a tellement de patients. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, ici. Ah ouais, il passe prioritaire, c'est bien, il est passé premier. C'est un peu la course contre la montre pour le sauver, celui-là. Je sais pas quelle est sa maladie. Alors, serious radiation. Je peux pas soigner ça. Inspecting swimming. J'ai perdu de vue celui que je devais absolument sauver à tout prix. Je crois qu'il ne sera pas sauvé, en l'occurrence. Je vais essayer de le facturer un max, mais. Un dernier petit scanner avant de mourir, malheureusement. Alors, est-il déjà mort? Il est où? J'ai perdu de vue. Ah voilà, j'ai reçu un message. J'ai perdu de vue celui qui allait mourir. De toute façon, je pouvais plus le sauver, donc je m'en fous un peu. Alors, ce que je voulais voir, c'était est-ce que les cours ont repris? C'était mon chirurgien surtout. Et l'autre, c'était lui. Ah mais il enseigne. Oh, putain. Ça va recommencer le bazar. Ça va recommencer le bazar. Ça m'est déjà arrivé, je crois que c'était il y a deux épisodes où j'arrivais pas à faire enseigner mon psy.
Ça m'avait pris la tête pendant je sais pas combien de temps. Alors, y a-t-il un... Ah, il y a un psy. Ah, mais par contre, j'ai pas d'argent. Donc lui, ça sert à rien pour l'instant. Je vais le mettre n'importe où. Et je vais retrouver mon enseignant, c'est lui. J'ai tué 11 personnes pour l'instant, quand même. Je crois que je peux dire adieu à ma prime. L'année d'avant, j'avais dû en tuer au moins 6, 7, je crois. Donc cette année, j'ai dû en tuer 4. Oh, j'aurais une machine. Oh merde, vite. Il faut que je répare toutes les machines avant le gros tremblement de terre. Sinon, je vais avoir des surprises. Je vais vraiment essayer cette fois de ne pas perdre de pièces. Bêtement. Donc, tout passe à la réparation. Même ça, je crois que c'est quand même relativement peu fragile le cardiogramme comparé à d'autres. Ça, c'est fragile. Donc ça, il faut que ce soit réparé absolument. Bon, c'était pas très endommagé. Je crois que je vais le faire à la main, le faire aller de pièce en pièce parce que ça, je suis pas prêt de pouvoir le soigner. Par contre, j'ai la Blood Machine, je crois. Ouais, mais par contre, j'ai des dettes. Alors, machine suivante. Le tremblement de terre n'a pas eu lieu, je vais repasser en vitesse normale. Ah si, le voilà. Donc là, le but, c'est de surveiller les machines qui vont exploser. Sauf que j'ai pas assez d'argent, quoi qu'il arrive. Celui-là, il est en train de la réparer. Celle-là, j'ai déjà un réparateur en route. Celle-là, elle tient le choc. Je déteste le tremblement de terre. Je déteste ça, surtout quand j'ai pas d'argent pour remplacer le matos qui a été trop abîmé. Oh là là, là il a mangé celui-là. Donc je vais tout de suite le remettre si j'arrive à le sélectionner. J'arrive pas à le sélectionner tellement ça bouge. Ok, c'est parti. Rien n'a explosé. Tout a souffert par contre, hein. C'est logique. Je ferais peut-être bien de prendre un autre employé. Ouais, ça c'est le spécialiste des réparations, entre guillemets. Alors... Oh, ça j'aime pas ça. Ils attendent pourquoi ces gens-là? Ah, je pense qu'ils attendent pour le scanner, tout simplement. Il a été réparé là? Ouais. Je vais prendre. Je crois qu'il y en a un qui est plus pressé que l'autre de passer. J'ai personne dans la liste d'attente. Il y a des trucs qui m'échappent. Ah non, il attend pour la machine ici. Il me faudrait une infirmière. Je crois que c'est l'infirmière qui sert de ça, de mémoire. Ouais, je peux repasser.
Voilà. Ouh. Il était visiblement pas très heureux de la situation. Ah, j'ai besoin d'une autre infirmière. Ça tombe bien, j'ai besoin d'argent parce qu'on arrive à la fin du mois et je suis à moins 3 000. Ouais, la situation économique est déplorable. Pourtant, je facture. Moins 2005. Par contre, on arrive à la fin de l'année. Donc, des petits bonus à prévoir. J'aurai pas le bonus des 10 000, mais j'aurai peut-être celui des 4 000 parce que j'ai un bon ratio soigné. Ah merde, j'ai la blood machine à faire. Faut pas que j'oublie ça. Merde, j'ai l'ultra scanner. J'ai plein de trucs à faire, mais j'ai pas d'argent. C'est la dèche totale. Alors, du coup, lui, avec son Eristis, là, je suis obligé de le rappeler. Vite fait, je regarde ce que ça donne. Chirurgien. Ah, il progresse pas très vite, je trouve. Ah, je suis repassé dans le positif. On arrive au 31. Ça me coûte de l'argent de ne pas avoir deux chirurgiens. Ward. Ah ben j'en ai une dans le Ward. Pourquoi? Ah, 31. Alors, les récompenses. Ah, il y a beaucoup. Ouais, bon, il y a des trucs négatifs, mais. Plus 4 000, moins 48. Ah, c'est parce que j'ai viré trop de monde. Plus 4 000. Ça, c'est bien parce que ça me fait 8 000. 10 000. 13 000. 11 000, pardon. Plus 29. Ok. Donc, la réputation prend un petit peu un coup, mais bon. L'essentiel étant que j'ai 9 000 dollars. Il va falloir que je choisisse. Ce que je vais faire avec, vite fait, avant de tout perdre, je pense que je vais faire la Blood Machine ici, vite fait. Ah, ça rame. Ok. Elle prend pas trop de place. J'ai un petit problème de son, je sais pas si vous l'entendez. Ça, c'est le VIP qui a bien aimé. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là à cause de, bah, principalement du moteur. De, bah non, je suis à 23 minutes en fait, donc son ou pas, fallait que j'arrête. Je vous laisse, je vais essayer de résoudre ce petit problème de son. Et puis, prochain épisode, eh bien, avec 7 000, j'ai de quoi faire encore une salle peut-être. J'ai l'ultra scanner à faire, je sais pas combien ça coûte. Il faut que je vérifie ça. Pour l'instant, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.